Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est le 15 avril 2024 et aujourd'hui, je vais récupérer mes 8 Dolmanax après un an de travail, on va dire, un an d'acharnement à faire chaque jour une quête du Dolmanax, de l'Almanax. Eh bien, on va récupérer enfin ce Dofus x8 qui vaut encore extrêmement cher. Juste là, on peut voir que je suis devant. Je suis au boss du Cabal, j'avais tenté le donjon, enfin le boss en succès main propre jeudi je crois. Mais le succès main propre c'est fail, je sais pas pourquoi. Apparemment ma crate avait fail alors que j'avais tué personne. Je sais pas si c'est à cause d'un sort passif ou quoi. Mais bref, peu importe, ça fera office d'une autre vidéo. Faut savoir que cette vidéo c'est tout simplement... C'est tout simplement en fait une vidéo dans le temps, c'est-à-dire que à la base j'ai d'autres vidéos à vous proposer. À la base cette vidéo aurait dû sortir après, mais là je peux vous montrer. Là j'ai plein de choses à vous poster. Spécial je voulais poster. Il faut que je vous poste Torquilonia Duo. Il faut que je vous poste Corruption, Guerre, Servitude, Misère, Duo Prêtresse KO, avec Kra seulement, Kra Panda. Et le reste de ma team je le ferai pas. J'ai juste passé le crap parce que le reste de ma team, ça aurait été trop de tryhard. Enfin bref, aujourd'hui on va récupérer les 8 Dolmanax. Je vous dis, à tout de suite, ça va être épique. Ok les amis. Donc là on peut voir que la quête du jour, il demande un buffer en frein. Et ce que je me rends pas compte, c'est que ça va être la dernière fois que je vais faire l'Almanax. Faut savoir qu'avec ma team, j'ai pu accumuler 3165 Almatons. En vrai, j'en ai beaucoup plus. J'en ai eu plus, mais j'ai acheté ça là, le truc, ça, le Bouflux. Alors Monty, il est là, enfin le Bouflux non, il s'appelle Codex Almanax et ça valait 1000 almatons, je l'avais acheté sur toute ma team parce que ça rendait stylé. Donc là les gars, je me rends pas compte, hein, mais ça fait un an, enfin un peu plus d'un an, parce qu'il y a des jours bien sûr où je me suis pas connecté, mais ça fait plus d'un an. Un an que chaque jour, quand je me connecte, je fais ça. Je fais l'Almanax. Imaginez un an de travail. Là, vous allez voir, cette vidéo va durer moins de 10 minutes. Mais au final, derrière, il y a un an. Alors, c'est pas du travail, hein, Dofus, c'est un jeu vidéo. Donc, c'est du plaisir. Mais un an à être rigoureux, en fait. Un an à être motivé. Un an... à être déterminé à se connecter presque chaque jour. Alors bien sûr il y a des jours où je me suis pas connecté pour plein de raisons. Des fois j'avais pas envie de me connecter malgré le boulot. Vous voyez, des fois je rentrais tard et j'essayais de prendre 5 minutes chaque jour pour me connecter pour ce moment là, pour aujourd'hui le 15 avril 2024. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est un an de tryhard, c'est pas du tryhard. Un an de focus. Un an de... Comment je pourrais appeler ça? J'arrive pas à trouver le mot parfait. Un an de patience. Voilà, je pense que c'est le mot. Patience. Un an de patience, un an de... Bref. J'aime pas le mot travail, parce que pour moi, c'est pas une corvée de faire l'Almanax. Parce qu'en fait, ça vous rapporte de l'XP et des kamas tous les jours. Donc, surtout sur une team de 8. Donc là, on peut voir que... Je vais valider. Ça va être incroyable les gars. Oh là là. En fait, moi ce que je me rends pas compte, c'est que ça fait un an que à chaque fois que je me connecte, j'appuie sur le bouton H de mon clavier. Et en fait, le bouton H, il m'emmène à l'Avresac. Et en fait, chaque jour, je vous l'ai déjà dit, mais chaque jour, vous avez la loterie. Et vous pouvez avoir des bonbons, vous pouvez avoir des trucs sympas, des Shigekax. Vous pouvez avoir des familiers. Pas des familiers, mais des peluches. Plein de petits trucs en fait. Vous pouvez avoir plein de faits d'artifice. Bon, ça c'est pas ouf, mais ça vous coûte rien de le faire. Donc là les amis, je vous cache pas que je lis jamais. Donc je fais juste Alt Échappe et tout simplement je fais ça x8. Et ça chaque jour depuis un an. Et ce que je me... En fait, ce dont j'ai du mal, c'est que je me dis que demain, quand je vais me connecter, si Dieu le veut, eh bien je ne ferai pas ça. Parce que du coup l'Almanax, moi je le faisais parce que bah, pour avoir le Dofus à la fin, et puis en plus là ça me rapportait 30 points de succès.
Donc là, les amis, ça va être le moment fatidique. En plus de ça, je vais... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous allez voir, on va voir ça en même temps, mais je vais débloquer le... Comment il s'appelle ? Je vais débloquer le Dofus d'Almanax sur mes 8 persos. Je vais débloquer 30 points de succès. Je vais débloquer le titre héroïne de l'année. Et je vais débloquer pas mal de Kama. Donc je sais pas si vous êtes prêts. Tac. Je fais juste une petite pause. Allez, c'est parti. Un an de travail. Un an de rigueur. Un an de patience et de détermination. Pour ce moment-là, c'est parti. J'ai eu peur parce qu'en fait je débloquais pas le succès, mais en fait je viens de voir qu'il y a un point d'interrogation sur qui est passé de bleu à vert sur Théodorant Axe. Et je me suis dit, ouais, je me suis fail ou quoi? Attendez, je me suis pas fail. En fait, il faut lui parler une deuxième fois. Et regardez, 365. Et normalement sur toute ma team, hein, j'ai vérifié. Et là, regardez les amis, oh, incroyable, montrez fièrement les 365 pages. Réalisez que votre quête est terminée. Je suis fier de toi, Stick Archer. Tu as fait preuve de patience et d'abnégation. Tu as rendu grâce au Méride jour après jour. Je sais que les petits dieux t'en ont fait voir de toutes les couleurs. Moi-même, je me suis parfois laissé aller à quelques remarques, mais tu as persévéré. Voilà, c'est le mot, la persévérance. Un an de persévérance. Bravo, tu as bien mérité ta récompense. Réalisez que votre quête est terminée, c'est incroyable. Le repos du dragon. C'est un truc de fou, les gars. On se rend pas compte, mais là... C'est incroyable. Je prends un screen, quand même. Je viens de prendre un screen... Des logs d'Almanax x8. Le repos du dragon. Prends ce Dolmanax, cet œuf, cet authentique œuf de dragon. Il t'apportera la force, l'agilité, l'intelligence et la chance nécessaires pour que tu puisses accomplir ton destin. Va en paix, n'oublie pas que les mérites veillent sur toi où que tu ailles. N'hésite pas à venir me voir pour leur faire des offrandes. Non, c'est bon, je suis venu pendant un an. Ça ira, merci. Pendant un an, je suis venu tous les jours, pratiquement tous les jours, apporter une offrande en termes de ressources ou en termes de consommables. Ou en termes même d'items, bon c'était des petits items. Et là, le Dolmanax il doit être pas très loin. Il est où? Il est là. Dolmanax. Et le titre héroïne de l'année, c'est incroyable. Donc je vais... Attends, j'ai pas envie de l'accepter parce que là, regardez, j'ai quelques petits succès. Regardez, je suis en train de vous montrer. Bon, si j'ai des petits succès, c'est pas ouf, hein. Mais j'ai pas envie de... Bah, si, je vais quand même l'accepter. Je récupère le Dolmanax. Incroyable. Donc là, les amis, je garde le titre là. Merci à Petit Chippy. Déjà que je joue pas beaucoup en ce moment, mais il y a quand même des abonnés qui me voient in-game. À moins que j'ai en ami, je sais pas. Du coup, j'ai... Le il est magnifique. En plus, il a subi un up il y a pas longtemps, ce qui a fait que les prix ont explosé. À la base, il donnait 50 de stats partout. En fait, il en donne 70. Faut savoir qu'il y a une bêta où, si je dis pas de bêtises, elle était à 80. Mais ils ont en Kama, je jette ça trop shit. Après, 70 stats all, c'est incroyable. Je vous cache pas que je sais pas quel Dofus je vais enlever. À la base, bon, je joue pas Veilleur, mais sur le donjon Cabal, je jouais Veilleur. Sur les donjons in-game, je joue Veilleur. À team de 8, c'est abusé. Mais là, je vous cache pas que du coup, je sais pas quel Dofus enlever. Je peux pas enlever le Vubis pour le PM. J'ai pas envie d'enlever l'Ivoire, mais j'ai l'impression que c'est celui qu'il faut que j'enlève. Mais en fait, sur toute ma team, je joue Ivoire. Ce qui fait que j'ai de très bonnes résistances partout. Mais c'est vrai que sur ma crate, si vraiment ruxer énormément. Bah après, le tutu, je sais même pas si j'en ai besoin. Ouais, si, ça me donne quand même 1% de dommages finaux à chaque fois, chaque CC. Je crois qu'il faut que j'enlève l'Ivoire sur la crate. De toute façon, le Dolmanax, ça va être le seul Dofus. Ça va être la crate sera le seul personnage où je vais utiliser le Dolmanax parce que le reste de ma team, moi je vais quand même accepter hein, le Dolmanax sur tous mes persos. En plus de ça, regardez, j'ai gagné un titre magnifique, héroïne de l'année, que je vais mettre. Bon, je vous cache pas que joueuse professionnelle, c'est un de mes titres préférés.
C'est même mon titre préféré à la base, mais là, héroïne de l'année, c'est clairement... Elle est là. Incroyable. Ça prouve que t'as fait le Tolmanax. Hop. Ah, il est sympa. Héroïne de l'année, j'aime bien. C'est sympa. Mais en tout cas, voilà les amis, pour cette vidéo, du coup, qui aura duré un petit 10-11 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus. Je vais vous montrer... Bon, de toute façon, je vais accepter le Dofus sur tous les persos. Je crois qu'il est échangeable. Attendez, je vais pas faire de bêtises. Dans 6 mois, c'est ça? Non, il est échangeable dans 4 mois. Le 17 août, c'est-à-dire... Un peu moins de 2 semaines après mon anniv, je suis né le 5 août 96. Je vais accepter maintenant, comme ça ils seront tous échangeables. Ils seront tous échangeables le 17 août. Sachant que de toute façon, pour ceux qui se posent la question, je vais revendre... Alors, je vais pas revendre tous les Dofus d'Almanax, mais je vais en garder un. En fait, j'ai qu'un perso qui est multi-élément actuellement. Et encore, en vrai, je sais même pas si je vais la revendre. Je vais peut-être essayer d'avoir tous les Dofus du jeu. Il faut savoir que là, c'est mon 21e Dofus. Regarde. Regardez, j'ai un bloc-notes avec tous les Dofus que j'ai obtenus. Et tous les Dofus qui me manquent. Bon, après, là, entre-temps, il y a le... Dofus Sylvestre qui est sorti, je crois. Et je crois qu'il y a un autre Dofus qui est sorti aussi. Mais du coup, le Dolmanax, je peux l'enlever d'ici. Et je peux le mettre ici. C'est-à-dire que là, regardez, on peut compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le Dolmanax, c'est mon 21e Dofus. 5 ici, 10 ici, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. 21e Dofus x 8 persos. Faut savoir que tous ces Dofus, je les ai eu en quête à chaque fois. Sur 8 persos, il me reste le d'origami, le tacheté, le cauchemar, l'ocre, le scintillant, le sylvestre. Et je crois qu'il y a encore un autre Dofus. De toute façon, ce qui est chiant, c'est qu'en Kama, il rajoute des Dofus. Bon, qui sont... il y en a beaucoup qui sont inutiles, hein. Le cacao, je l'ai mis, le cacao, je sais plus. Ouais, je l'ai mis. Mais vous voyez, le sylvestre, bon, en plus les prix sont n'importe quoi. Mais ouais, il rajoute des voilà, dômes de pain. Enfin, il rajoute des Dofus qui sont assez pourris. Mais voilà, le hoc, bon, 55 millions. Nébuleux, il a bien baissé. L'ivoire, par contre, 21 millions, il a up. Le Vulbis, 35 millions, il stagne. Et là, regardez, Dolmanax, il vaut 21 millions, imaginez. Là, on a un clic, je viens de me faire 170 millions de Kama dans cette vidéo. Mais comme je vous l'ai expliqué... Bah, en fait, je les revendrai, mais pas maintenant. Avant de revendre mes Dolmanax, dans 6 mois, 4 mois, peu importe, j'aimerais bien avoir le d'origami, le tacheté, le cauchemar. Bon, l'ocre, ça m'étonnerait. Le scintillant aussi, du coup, c'est possible. En fait, j'aimerais bien avoir tous les Dofus, parce qu'actuellement, je les ai quasiment tous, en fait. Il m'en manque encore quelques-uns à voir avant de revendre certains Dofus, et ça serait parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la barre de pouces bleus. En tout cas, voilà, un an de travail, 8 Dolmanax dans cette vidéo. C'est Jessica, très vite, ciao, bye bye. Thank you.